Une fleur violette, violette. Ay, mira, indigo. Tu es très talentueuse aux peintures. Et maintenant, un grand cœur rouge. Oui. Rouge, rouge, rouge. De nous pour toi. Bon. Tu sais qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois répéter les couleurs. S'il te plaît, la mine. Rouge, jaune. Oui. Bleu, rose, vert. Et maintenant, un test pour toi. Je t'ai apporté l'arc-en-ciel, rainbow. Ah, curcubeu. Curcubeu. En roumain, oh là là, oui, c'est ça. Bon, Larry, dis, quelles sont les couleurs de l'arc-en-ciel? Rouge, orange, jaune, vert, bleu. Indigo et violet. C'est très bien, oui. Maintenant, tu peux parler très, très, très colorié parce que, enfin, tu as appris les couleurs en français. Stop. Je vous propose de continuer avec un peu par volume plus compliqué parce qu'il nécessite un lexique plus complexe. Il s'agit de l'arbre de parole d'écrire un lieu, un paysage. Les enfants ont choisi comme lieu, bien sûr, leur île, grande île de Martinique. Je dis action moteur. Vous savez, les enfants, que les couleurs donnent à notre île l'image d'un petit paradis terrestre. Est-ce que vous pouvez parler un peu à la vie de votre île, d'accord? Oui. S'il vous plaît. Notre île est surnommée Madinina, ça veut dire l'île de fleurs selon l'ancienne langue amérindienne. C'est la carte de l'île de Martinique, oui? Les premiers habitants de l'île, dénommés Amérindiens, ont été attestés du premier avec Jésus-Christ. Christophe Colomb découvre la Martinique de l'île de Rodez. Son Le commerce de sucre, mais aussi le commerce avec des esclaves africains. Au 19e siècle, Saint-Pierre, la capitale de la Martinique, connaissait une grande prospérité grâce au commerce et aussi à l'esclavage. Le 23 mai 1848, on a obtenu l'abolition de l'esclavage. L'île est devenue un département basé en 1945. Aujourd'hui, l'avenir de la Martinique pâtit de l'agriculture, la nourriture, bananes, ananas, de l'hôtellerie, de la petite industrie, spécialement agroalimentaire. Tu es très pressé, très pressé. En Saint-Denis, existe au nord de la Martinique, au milieu des montagnes, entourées par la forêt tropicale et la campagne.
La voilà sur la carte. Ici. Oui. Ici, c'est le responsable. Nous sommes 880 habitants. Après, ici, on s'occupe avec l'agriculture. Chez nous, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, de mandarines, des orangers, des citronniers et beaucoup d'autres. Oui, c'est vrai. Le tourisme est très bien développé dans notre île. Et pendant ton séjour ici, on a fait ensemble beaucoup de randonnées pédestres ou à cheval. Oui, et on a mangé beaucoup de fruits frais. Clément, ton ami, est devenu aussi notre ami. Oui, on a fait beaucoup de photos ensemble et il est très, très, très photogénique. J'ai quelques photos avec Clément. Où sont les photos avec Clément? Ah, les voilà, les voilà, les voilà. Voilà, quelques photos avec Clément. Oui. Il est très photogénique, tu vois. Voilà, mesdames, où est-ce que Clément? Les photos viennent de Martinique, effectivement. Bon, l'ami. Merci, mes amis. Merci mes amis, je suis vraiment impressionnée de tout. Votre commune m'a spécialement impressionnée par sa végétation luxuriante, par ses couleurs et par ses cascades. Vous vivez dans un paradis, c'est très beau. Merci beaucoup la vie, c'est ça la vérité. Je vous saute pour la dernière fois. Cette fois-ci, un peu par très compliqué parce que la vie doit connaître les temps bien beaux. Il s'agit de l'arbre de parole raconter une suite d'événements. Alors pour ça, il doit connaître les temps bien beaux, le présent, le passé, le futur. J'ai choisi encore un jeu de rôle pour illustrer cet arbre de parole parce que vous savez que le jeu de rôle est la technique pédagogique miraculeuse la plus proche de ce qui concerne les savoir-faire communicatifs. Une technique pédagogique miraculeuse qui, en effet, illustre la nouvelle pédagogie de l'apprentissage des langues étrangères par l'approche actionnelle. Pour la dernière fois, je dis action morte. Mes chers, vous savez que la vie va nous quitter demain. Elle va retourner en Roumanie après un séjour de 30 jours ici, en Martinique, chez nous. De là, elle doit nous écrire une lettre pour nous raconter comment elle a voyagé et comment elle a retrouvé la Roumanie après le paradis tropical de la Martinique. Et pour ça, la vie doit connaître les temps verbaux. Est-ce que vous pouvez l'aider? Nous pouvons l'aider, madame. Allez, les filles, s'il vous plaît. Bien, la vie. Un instant, s'il vous plaît. Voilà la vie. Cela est le temps. Ici, c'est le présent. Aujourd'hui, ou maintenant. Ici, c'est le passé. Hier. Ici, c'est le futur. Demain. Oui, c'est comme en Roumanie. Le présent aujourd'hui, le passé hier et le futur demain. Aujourd'hui, tu es en Martinique. Demain, tu seras en Roumanie. Hier, tu as été avec nous en visite à Saint-Pierre. Oui, maintenant je suis ici avec vous. Demain, je serai à Roumanie avec mes amis et hier j'ai été en visite à Saint-Pierre et j'ai été en train de me garder. Aujourd'hui, je te parle en français et tu comprends. Oui, tu me parles en français et je comprends. Trois jours auparavant, je te parlais mais tu n'as rien compris. Oui, c'est vrai. Tu m'as parlé en français et je n'ai rien compris. Demain, tu me tiras une lettre de Roumanie et je la lirai. Oui, demain, je t'écrirai une lettre et tu la liras. Je te félicite pour ton français, la vie. Tu me félicites et je te remercie. Tu nous écriras une lettre et nous la lirons. Oui, je vous écrirai une lettre et vous la lirez. Hier, nous avons visité la ville de Saint-Pierre et tu te égarais. Oui, hier nous avons visité la ville Saint-Pierre et je me suis égarée. C'est
C'est très bien la vie. Félicitations pour ton français. Merci les filles. Merci les filles, vous avez été magnifiques avec cette leçon de grammaire. La vie, nous te souhaitons un bon voyage et n'oublie pas de nous écrire. Bon voyage la vie. Merci de tout mon cœur, mes amis. Et bien sûr, n'oublie pas de transmettre nos salutations à tes amis, à ta famille, à tes professeurs, bien sûr. Bon, bisous. Au revoir. Au revoir. Good boy. La vie. C'est tout, on a fini. Mais avant, j'ai encore quelques mots à vous dire. Ces enfants sont amitiés maintenant. C'est la dernière année scolaire pour eux ici au lycée Mathé Bacharach. Je veux vous dire que leur génération est la génération qui m'a apporté les plus nombreuses satisfactions à ce qui concerne mon métier. Oui, je veux vous dire quelques mots de quelques-uns d'eux. Ici, c'est Alexandra qui, en mars, lève-toi un peu pour que les mesdames te voient. Alexandra a gagné le premier prix aux Olympiades de français à l'état départemental. Merci Alexandra. Okay. Deux mois plus tard, Anne-Mée a gagné le premier prix au concours Le Francophile. À quelle âge? À la section de discours et aussi elle a gagné une petite mention à la section de musique. Elle a fait partie d'un groupe de musique nommé La Belle Écriture, La Vie. Et Fali, vous avez admiré son discours, oui. Et bien sûr, c'est ici Andrew Petit qui a une surprise pour vous. Il y a obtenu aussi une mention à l'INSA. Et il y a aussi Théo. Lève-toi, s'il te plaît, Théo, pour que les mesdames te voient. Théo a gagné une mention au même concours, le Francophile, en mai, à la section de discours. Vous avez remarqué sa prononciation, oui. Hein? Elle sait très bien faire rouler le R quand elle parle en français. Merci, les enfants. Je n'ai oublié personne, oui. Merci les enfants, je vous souhaite beaucoup de succès dans la vie, beaucoup de chance aussi, et je vous assure que je vous garderai ici dans mon âme et dans mon cœur. C'est tout, on va se rencontrer pour manger du chocolat et pour vous remercier pour votre travail. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons commandé pour le cas de français pendant cet an scolaire. Je parle français, le monde me comprend. C'est une justification, non? Pour apprendre le français si bien et pour l'aimer. Oui, même si le français c'est la deuxième langue étrangère étudiée en Roumanie. Vous voyez, nous avons ce motto effectivement pour parler en français et pour ne l'oublier toute nos vies. Merci les enfants, s'il vous plaît. Maintenant, s'il vous plaît. Vous ne voulez pas partir? Nu vreți, știți ce se întâmplă? Asta mică trebuie să cânte un cântec. Și ei e rușine să cânte cu copii. Și ei vor să o asculte, de-aia nu pleacă ei. Cum facem? Nu, n-ai de ce să cânti cu ei aici. Cântă și Sia. Cântă, cântă, da? Așa, gata. Ei de-aia nu s-au mișcat, că sunt foarte curioși. Și asta mică e emoționată. Alina se la surpriză. Elle sait, et nous tous savons, că vous avez des enfants à la maison et vous avez beaucoup, beaucoup d'enfants à l'école. Et voilà pourquoi vous apprécierez la chanson que Alina va chanter. C'est une chanson de Céline Dion. Une chanson que la grande chanteuse a dédiée à sa mère. Oui? N-a emoții, da? Eu e. Stai să vedem acum, că acum e cu tehnica. Voilà, ça se mișcă. E un grand artist, o să-i conserim. Știți că e foarte greu de cânta să limpion și ridica este clasa așa.
Je n'ai aucun marché de l'eau.